Moi, je suis vraiment la vraie moi sur VRChat. Je suis vraiment libre. J'ai pas de limite. Dans le monde réel, on nous enferme dans des cases. Dans le métavers, toutes ces cases disparaissent. J'ai fait l'amour en étant un monstre, en étant un objet. Je me dis waouh, putain, tous ces moments que j'ai vécu là-dedans. Les mondes virtuels sont des espèces de jeux de rôle qui vont te permettre d'aller explorer les zones les plus secrètes qui t'habitent toi-même. C'est là que tu vas te découvrir. En termes de sensualité, c'est quoi votre limite à vous dans la danse? Ça serait naïf de dire que c'est un monde parfait parce que bah il l'est pas quoi. Je répète, je suis un homme derrière un casque. Je me suis senti agressé. Les gens ne vont s'investir dans un métavers que s'ils peuvent y exercer des libertés plus grandes que ce qu'ils ne peuvent exercer dans la réalité. C'est un autre monde. C'est un autre monde.